Elles ont dû vous dire qu'une fois on travaille avec Marine, une fois on travaille avec Madame Nicolas, oui ou non ? Oui. Une fois on est dans la petite salle, une fois dans la grande salle, exactement. Et comment j'ai divisé ? J'ai pas divisé les meilleures, les moins bonnes. Non, j'ai divisé, je les ai mises de la plus petite à la plus grande. Les plus petites, c'était mardi, et vous les votes, ce sont les plus grandes à partir de la mardi. Voilà. Alors, qu'est-ce que je vais vous montrer ? On va faire d'abord des exercices à la barre. Elles font toujours le travail à droite, à gauche. Aujourd'hui, pour ne pas que ça dure trop longtemps, on a pris un petit échantillon et elles vont faire à droite un exercice, à gauche un autre. Mais sachez que pendant toute l'année, elles font des deux côtés. C'est pas que je fais que le pied droit. Voilà. OK ? Ensuite, il y a des exercices de grand écart. Est-ce qu'elles s'entraînent pour le grand écart à la maison ? Oui. Oui. Travail. Elles ont envie de le dire. Et donc, en jouant, on essaye de faire voilà, le grand écart. Naturellement, il y en a qui sont plus souples, il y en a qui sont moins souples. Celles qui sont moins souples, elles peuvent se plaindre chez le fabricant. C'est tout, hein? Voilà. Alors, on fera des exercices de grand écart, d'assouplissement. On les fait toujours, pas en jouant, mais toujours pour agrémenter. Ensuite, on va passer au milieu. Face au miroir et le pas de polka et puis une traversée et elles ont préparé une petite danse pour vous et puis ensuite le final. Voilà, ça c'est le programme. Alors, c'est pas le dernier jour parce que j'ai eu des mails, c'est le dernier jour. Non, alors vous pourrez vraiment continuer jusqu'au 15 ou 20 mai. Est-ce que vous recevez mes mails? Oui, oui. Ok, donc tout va bien. On a aussi fait une photo juste là maintenant à l'envoyer, etc. La réinscription se fera au mois de... Je vous enverrai un mail au mois de septembre, donc dernière semaine d'août, début septembre. Voilà. Les horaires vont changer. Les horaires vont changer, les jours vont changer, parce qu'elles montent depuis là. Alors, autre chose, je viens. Oui, qu'apporte la danse classique? Je vous pose la question. Pourquoi vous l'envoyez à la danse? Le musique. Et comment s'appelle notre premier exercice? Anna.
Non. Et en quoi ça veut dire quoi?
Et en croix, ça veut dire quoi? Et nous, on est grande, alors on le fait en croix. Et en croix, ça veut dire quoi? Et nous, on est grande, alors on le fait en croix. Et en croix, ça veut dire quoi? Et 7 et 8 et 9.
Fanalia. Fali et Nana, ça va? Oui. Mmh, elle est belle, ma fille. On y va. La top modèle. Stop. Bye bye. Ça c'est le bébé de qui ça? C'est le bébé de mamie. Ça c'est le bébé de qui ça? On y va? Attention. On y va. Vas-y. Mais ouvre. Au revoir, à la prochaine. Merci. Ok, merci.